Personne ne le pique. J'ai un dernier clip. Merci, Cotswain. Salut! Ça va les gars? Ça va bande de pas beaux? Premièrement, merci beaucoup les gars. Vous avez le droit de spam GG dans le chat comme des gros affreux. Parce que ça y est, on a dépassé le palier des 70K les gars. Nous sommes à plus de 70K soutien dans la boutique. Et ça, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a plus de 70 000 personnes qui ont utilisé le code créateur Swen. Et ça, ça fait plaisir. Du coup, ce matin, c'est des pupés. J'ai envie de fêter ça en mode je fous rien. En mode clairement je fous rien et je voulais jouer, je vous regarde, voilà, tout simplement. Tout simplement les gars, ça vous plaît ou pas? Par contre ma vidéo d'hier, va falloir vous bouger le cul là, allez la voir là, dépêchez-vous là. Ils sont les 100 000 vues, oh, l'entreprise là, on est à flot les gars. T'as des lunettes? Oui j'ai des lunettes parce que mes yeux sont fragiles. Parce que j'en peux plus d'être derrière l'écran H24 sans protection. Et si vous voulez, le 18 je crois, leur site il est à moins 50%, du coup ça vaut le coup. Mec pour le coup, tu gagnes 30 euros sur des lunettes à 60 euros, ça vaut le coup. Après pour vous, je sais pas s'il y a la taille prépuce. Voilà, regarde ça. C'est le nouveau Tilted en fait, si tu veux. Donc maintenant, à jouer, je vais te montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça donne une armée de petites prépuces. Voilà. C'est intéressant de jouer, hein. Ah bah, c'est très intéressant de les jouer, hein. Oh, c'est fou, hein. Oh merde, j'ai plus de balles. Faut que je le paye. J'ai oublié qu'il y avait un piège. Donc voilà ce que ça donne en fait quand tu joues les PP. Donc non, je pense que je vais pas les jouer, ça sert à rien. Sinon ça fait 20 mecs en moins dans la game et c'est assez chiant à regarder après. Je vais pas te mentir que bon. Mec, on est 71K sur Instagram les gars. Les gars, je suis Instagrammeur, y'a quoi maintenant? Et vous pensez 2020 je deviens humoriste ou pas? J'ai le temps de m'entraîner encore un peu quand même. C'est pas encore hein. Bon déjà il y a un sniper, c'est bien ça, c'est bien un du bot. Je te dis c'est bien, tu te fous de ma gueule? Allez hop, ça dégage. Suivant. On refait une VP les gars! T'as le fou bah, tu te fous pas de ma gueule! Moi le chef! Bah battu-moi! Non mais vas-y, c'est le but! Mais non, mais il est con lui! Viens prendre ton arme! Il va se faire niquer! Mais il a cru que c'était un touche-touche ou quoi? Allez viens là! C'est pas un cache-cache mon grand, allez! À la bagarre là! Viens vite là, y'a un pompe là! Il est trop con! Allez fume-moi et défonce-les tous! Les gars, on a un garde du corps! Merci Axui pour ton euro! On a gagné des sous en faisant rien! Non pas lui! Putain, je voulais pas que ce soit lui qui me tue. Tu sais que c'est un anonyme avec son skin de carton. Joueur Wico. Voilà. Alors, les mecs, ils mettent tout le temps des 96. Moi, c'est tout le temps des 30, moi. Non, désolé, Thomas, je fais pas de bitfit. Ça me donne des boutons. Genre, je peux attraper la varicelle avec ça, donc non. 64 et pas dans la tête. Gros, vos pompes, ils sont cheatés, les gars. Vraiment. On a clairement pas les mêmes pompes. Hein. Ça dégage. Lui depuis tout à l'heure il est là le pot. Oh il a pas pu bouger depuis tout à l'heure tellement ça streama comme des gros porcs. Eh hey, les gars vous avez vu la zone bande de fous? Commencez à courir sans vous tuer la bande de cinglés. Putain ils sont c'est vraiment des singes hein. Mais putain quand vous avez des games comme ça, positionnez-vous, je sais pas moi, entraînez-vous bande de gros abrutis. Au lieu de vouloir la POV hein. Comment je fais pour mettre autant de noscope? Bah je joue beaucoup de sniper. Tu vois comme un mec qui fait beaucoup de 90 degrés, et ben tu vas lui dire mais comment tu fais pour rentrer autant de 90 degrés? Et ben parce qu'il fait des 90 degrés. Enfin, sniper mec hein, et t'inquiète tu vas en mettre des noscopes hein. Honnêtement je crois j'ai un dirigeant Epic Games devant moi, je lui mets des coups de pied. Mais pas des gros hein, genre des petits. Juste pour l'énerver, genre je le bouscule, histoire qu'il se réveille un peu là. Tu sais y'a le truc Star Wars là? Oui. S'ils font même pas un mode spécial pour Star Wars, c'est vraiment de la teub hein. Et j'ai pensé à ça mais du coup c'est vrai que tu peux faire des modes de port là sur une ville comme ça. Sur une map comme ça, t'imagines des vaisseaux et tout. En fait tu pourrais faire un jeu. Bah Star Wars gros avec des vaisseaux, des trucs de cinglés. Envahisseurs. Et nous on se bat contre les envahisseurs en gros. Pouf. Yes. T'aimes pas Star Wars? Non, j'ai jamais regardé Star Wars. Tu peux mettre un message dans le chat là que je te banne? Respecte Obi-Wan par contre. Je suis sûr ils sont pleins comme moi en vrai. C'est sûr. Non mais à la limite, eux à leur âge ça peut se comprendre. Forcément si tu vois les premiers Star Wars tu vas dire ouais c'est de la merde la qualité. Vu que c'est en DVD rip. Oh, tu me parles, je sais même pas ce que c'est. Trop bien Star Wars, merci les gars. Merci. Putain même des prépuces ils aiment Star Wars du coup c'est quand même grave. Je crois que c'était avant 2000 hein. Je t'ai pas né, désolé. Vous avez pas connu les années avant 2000? Les gars c'était un truc de malade. Les gars déjà il y avait pas les couleurs et tout à la télé, c'était un truc de fou. Ah moi je l'ai vécu les gars, 98. J'avais 3 ans, la petite de ma mère je m'en souviens. Merci Mathis pour tes 2 balles. J'étais sur les épaules à mon tonton et je criais Zidane. Ouah parlez pas de trucs comme ça les gars, ça m'excite. 98 les gars c'est l'année qui m'excite hein. Zidane si je pouvais être son majordome Hugo je le ferais. Si je pouvais être le chien qui ramasse les crottes de son chien dans la cour, je le ferais. Comme travail. Juste pour côtoyer Zidane. Ah oui. Ouais. Eh attends, mon père, tu sais ce qu'il m'a dit? Danone. Les gars, on est d'accord, c'est Actimel Danone. C'est qui le plus grand parrain de Danone? Zidane. Eh ouais, mon gros.
Mais je pense que ça savait pas moi. Et ben c'est le dessin mec hein. Parce que je vais rencontrer Zidane un jour grâce à Zactimel. Un jour je vais faire un raid. Dès que j'ai 100k Instagram, je vais dire à tous mes abonnés d'aller mettre des trucs sur les Instagram de Zidane. Ouais, Yaswan, il est fan de vous. T'inquiète, un jour ma commu elle va me négocier un rendez-vous avec Zidane, je te le dis moi. Mais attends. Mais on peut faire ça. Des Royal Rumble. C'est genre juste avec les zones. Je sais pas, genre tu vois Frenzy, Craigie Cliff et Steamy Stack. Tu vois les trois villes là, la petite île. 100 mecs juste sur cette passerelle. En vrai ça peut être mieux, non? C'est en train de s'improviser une moving zone, il faut trop... C'est Heroes en bas je crois, non? Il la ken. C'est Heroes je crois. Ouais c'est Heroes, j'ai reconnu sa pioche. Beau gosse Heroes. Eh les gars, allez lui dire GG, je crois il est en live. Allez lui mettre GG les gars. Oh là 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 là, tous les GG quoi. What the fuck. GG Naxer, GG mec. Eh, je sais pas comment j'ai fait, j'avais... Eh les gars, j'avais... je crois que j'avais 20 HP. What? Attends, mais ça monte à 300 là. Ouais, eh les gars, abonnez-vous hein. Oh, il fait quoi Heroes? Ah les gars, montez-le à 1000. Non, je vais pas monter à 1000, abuse pas hein. What, on est 500. Merci merci la Team Swan. Merci la Team Swan les gars, vous êtes juste les meilleurs. N'hésitez pas à liker. Et les gars, est-ce qu'on peut faire péter les likes là? 700. Mais what the fuck. Merci la Team Swan. Aïe aïe aïe. Merci à tout le monde pour les GG etc. Merci énormément. Et gros, on est monté à 800 likes, genre c'est free ça. Ah, il va bien me référencer, merci énormément. GG Yun, merci à Hugo. Et là j'ai reçu un mail juste après avoir fait 15 000 likes sur mon pied Instagram. Merci infiniment les gars. Go, t'oses même pas imaginer le nombre de marques qui m'ont contacté hein. Ouais, on veut vous payer contre des posts Instagram et tout. Je te jure hein. Le lendemain où j'ai fait les 15 000 likes avec mon pied hein. Et gros, j'ai reçu au moins 10-15 messages de marques qui voulaient faire des trucs et tout. C'est incroyable. Juste avec un pied gros, c'est grave. Et du coup, vu que je m'en bats les couilles, bah, j'ai juste les lunettes qui étaient trop bien. Bah je leur ai demandé de m'en envoyer du coup. Oh, ouais. Et de base eux ils voulaient même pas contre un post Instagram ou quoi que ce soit tu sais. Genre juste je mettais leur lien dans ma description. Et genre là ils m'ont dit il y a 50%, du coup mets-le pas maintenant et mets-le quand il y a les 50%. Du coup les gars, si ça intéresse certaines personnes pour les lunettes, je vous mettrai un post sur Instagram je pense le 18 avec le lien tout ça. Et puis sinon après le 18 ce sera tout le temps dans ma description le lien. Mais en vrai ça vaut le coup hein. T'as des lunettes je crois, les lunettes jaunes là. En gros avec le vert jaune, elles sont à 30 balles celles-là je crois. Mais moi celles-là je vous les conseille pas, genre c'est de la teub. Genre en fait ça te rend vraiment jaune. Genre ça te déforme les couleurs. Que celle-ci mec c'est un truc de malade. Genre les couleurs ça te jaunit un peu mais vraiment léger. Mais y a moins 50% sur leur site le 18. Plus mon code Swain du coup parce que j'ai négocié un code Swain. Voilà. Après est-ce qu'il y a des tailles prépuces, ça j'en ai aucune idée. Mec, c'est vraiment pire que les games normales, hein. C'est incroyable. Arrêtez de faire des Royal Rumble, les gars, putain. On va faire des Royal Rumble territoire, hein. Comme ça, au moins, tout le monde fait le même truc. C'est là le problème, c'est que t'as la moitié du lobby qui tryhard et l'autre moitié du lobby qui se défonce la gueule au spawn, bon. Ok, Rastato YouTube, si tu te casses de cette ville et que tu commences à faire 2-3 kills et que tu fais un bon top, et ben on te raid. Allez, sauve-toi là, va te battre. Un raid, ça se mérite, mon grand. Bouge-toi le cul là, défonce tout le monde. Y'a des grenades derrière toi. 158, il lui a mis Hugo. T'en penses quoi de cette saison? Au début j'adorais, parce que forcément avec la hype du début. Et maintenant vraiment très clairement je m'ennuie à crever sur le jeu. Mais vraiment, chaque game même c'est hyper long. Genre je m'amusais plus contre des bots que sur le jeu actuellement. Vraiment, tu vois jamais personne dans le jeu. Dès que tu vois un mec, ils sont 150 à t'atterrir dessus. T'as pas de sensu, t'as pas de dynamique, c'est la pire saison de tous les temps. Et même avec sensu, je sais même pas si on s'amuserait. Y'a pas de mobilité, y'a pas de... C'est de la merde. On se croirait sur un PUBG en fait. Et j'ai jamais aimé PUBG. Des grosses games de 40 personnes, de 40 minutes là, où tu fais 3 kills dans la game. Enfin, c'est vrai en plus ce que je dis là. Hein. On se croirait sur PUBG maintenant. C'est archi long pour rien en fait. Enfin, on pourrait mettre au moins 120 mecs sur la carte. Quand la vidéo setup, bah, j'y réfléchissais pour. Je vais peut-être la tourner cet après-midi. Et vous mettre ça. Le problème, les gars, avec ma vidéo setup, c'est que mon setup, déjà, si je vous montre mon setup, je vous montre tout l'appart. Tu vois. Parce que mon setup c'est tout l'appart, on va pas se mentir. Comment vous faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vous fais ça en mode vous vous en battez les couilles? Et je filme ça en mode comme The Kyrie, je prends mon téléphone et je fais ça à la wall again quoi. Avec un montage vite fait. Ou est-ce que je fais vraiment, enfin, je sais pas comment faire ça en fait. Je vois pas comment le faire. Genre moi tous les jours je suis dans mon appart, je vois pas ce que je peux vous montrer quoi. Alors waouh, ma belle table, bah voilà c'est une table. Je sais pas, donnez-moi des idées là. Après genre moi tu vois je verrais plus le truc en mode le faire comme un Gotaga, une putain de vidéo. Mais en vrai c'est vrai que quand tu commences à la faire, c'est du boulot. Hein. Bah genre en gros à la Swain quoi. Je vous fais un truc à la wall again où je me prends pas trop la tête. Et puis de toute façon tout ce que vous voulez voir c'est voir mon appart qui me demande la vidéo setup là. Vous êtes juste des gros pervers qui veulent voir où j'habite quoi, c'est tout. Enfin, en soi je vous montre où j'habite et puis voilà quoi, vous serez content hein. Ou alors je vous fais une story. Genre ceux qui tiennent vraiment à voir mon appart, je vous montre ça en speed sur Instagram et après je le laisse sur Instagram genre les trucs à la une là. Et puis voilà c'est réglé. Comme ça vous avez vu mon setup. Ouais mais moi les gars,
faut comprendre un truc, c'est que moi je suis quelqu'un de discret, j'aime bien avoir mon petit cocoon. Donc ça me dérange pas de vous montrer, mais mettre ça sur YouTube, je sais pas, c'est différent. Instagram, t'es en mode tu montes ça aux gens qui te suivent, tu vois. YouTube, t'es en mode tu montes ça à tout le monde, mec. Vas-y, on va faire comme ça. Merci beaucoup pour tout le soutien en ce moment, c'est incroyable. On a passé le 70 depuis tout à l'heure, je le dis, donc ça j'ai pas besoin de le dire. Et puis voilà quoi, un maximum de bisous, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et à demain matin. I've been moving all up by myself and getting to the top.